signature que nous faisons aujourd'hui capable paraître banal, et pas banal du tout. Parce qu'au fait, nous pouvons sortir un île Maurice, qui est un petit pays, perdu dans la mer, et là nous pouvons venir de plus en plus maintenant un État-océan. État-océan, ça veut dire donc un pays qui peut contrôler 2,3 millions de kilomètres carrés de mer. Premièrement, très important. Deuxièmement, la signature qu'on a fait aujourd'hui, c'est une signature qui est entre la COI et UNDP. La COI, donc, qui regroupe nos cinq pays, nos cinq îles de la région, est choisie par les Nations Unies pour qui la cellule régionale qui concerne la paix et la sécurité est pour ici, est pour dans IOC, est pour dans Maurice. C'est un signe de confiance que les Nations Unies font à la COI d'un côté, mais aussi à l'île Maurice. Maintenant, c'est quoi la stratégie? La stratégie, une fois qu'il nous n'est plus un petit île qui peut se servir par nous-mêmes, nous peut se vivre un état océanique régional, avec une ambition beaucoup plus grande. Et c'est bon qu'il nous comprend, nous, Lola. Nous, l'ambition aujourd'hui, c'est que Maurice vienne dans la région un genre de phare, un genre de flambeau que nous sommes capables de contribuer à la paix, à la sécurité au niveau de la région, et au développement aussi. C'est comme ça, donc, depuis mon propre présidence, la COI, mon fin, c'est faire le maximum pour que la COI vienne beaucoup plus important qu'il y était. Et la preuve, la COI pour venir maintenant la case côte UNDP se branche pour été. Ensuite, mon fin vient aussi en même temps le chairman du Contact Group. Le Contact Group, il paraît banal, mais il est gros. Contact Group est créé par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour qui la piraterie n'est plus un problème ici. Et en tant que président, nous pouvons faire nos réunions le 12 et 13 juillet à Nairobi, et son Excellence pour venir aussi à Nairobi. Donc, nous pouvons joindre là-bas pour la guerre de quelque chose. Premièrement, que le groupe de contact qui est créé par le Conseil de sécurité reste permanent. Il n'est plus une institution temporaire, mais permanent. Et deuxième point qui est important aussi, nous pouvons demander maintenant aux Nations Unies accepter que le contact group vienne élargir sur une responsabilité pour couvrir la drogue, pour couvrir le terrorisme, tout un problème qui nous peut gagner au niveau régional. Donc, quand nous mettons tout ensemble, il n'est pas paraître certainement clair pour le moment, mais nous pouvons être base pour que l'île Maurice vienne un player, vienne un pays qui prenne un rôle beaucoup plus important dans l'avenir. Et au niveau de la région, mais aussi par-delà la région. Well, drug trafficking is a global challenge, but certainly it affects some regions more severely than others, and certainly this region is one. It's a victim. This region is a victim. And we in the UN, there is a UN global strategy from which regions and sub-regions have crafted their own strategies to reflect the specific conditions and the specific kind of challenges they face. So the UN comes in support, providing political support, which is critical, but also expertise and lessons learned and resources where it can. So it's a global fight. And so all countries in the UN system are fully committed to support regional strategies, just as we do in counterterrorism. This is no less important.